Donc nous voilà au niveau du 100 Yen Shop. Alors celui-ci est juste gigantesque, celui d'Odaiba. Et là, ils sont carrément en avance pour Halloween. Il y a déjà des choses derrière moi. Donc je vais vous faire visiter cette super petite boutique. Je m'équipe d'un panier parce que j'ai des choses. J'avais fait du repérage pour des amis et pour ramener des petits cadeaux. Alors du coup, cette fois-ci, je vais m'équiper. Donc en fait, vous avez vraiment mais tout quoi. Là, c'est tout ce qui est beauté. Tous les élastiques. Les... Tiens, d'ailleurs, il m'en faut des élastiques, faut que je regarde. Petits élastiques. Tuc. C'est bon, hop, c'est dans le panier. Oh, ouais. Vous avez même des coquilles. Alors, là on a des petits goodies. Il y a déjà les guirlandes de Noël. Les pailles. Là c'est les accessoires pour les bento. Le paradis pour customiser vos bento. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Je vais peut-être prendre 2-3 trucs. Waouh. Oh là là, c'est dingue. Là aussi, faire les petits plats. Moi, je peux pas ramener tout ça. Les petites choses, oui, mais c'est tout. Là, il y a plein d'assiettes pour les enfants. 100 yens. C'est en plastique, mais bon, les petits couverts. Les petites perforeuses pour les feuilles nourries. Ça, c'est pour le riz. Vous avez l'avion, la voiture. Enfin, les onigiri, c'est génial, 100 yens. Ça, je pense que c'est une boîte banane. Les couverts. Et là, il y a plein de vaisselle, mais il y a vraiment des choses super jolies, quoi. Les verres. Bon, la cuisine, le rayon est vraiment énorme quoi. Vous avez même des couteaux, je sais pas s'ils sont à 100 yens. Si, pourquoi? Tout doit être à 100 yens. Ça. Des trucs que je connais même pas. Oh génial! Oh purée, je vais le prendre. C'est aimanté. C'est une paire de ciseaux. Oh génial. Je vais en prendre un pour une amie. Pour ma petite Amandine. Amandine cuisine. Je pense que tu vas kiffer. Il y a une dame à côté de moi. Celle-ci, elle est folle. Elle parle toute seule. C'est pas grave. On se tape la route. Ça. Et des baguettes. Bon, là c'est Disney, donc non. Ça, c'est pour mettre l'huile, les épices. Oh là là, c'est dingue, les cuillères. En bois. Oh, j'ai un petit foufou à côté de moi. Pour une fois, c'est pas le mien. Les petits sacs. Des cuillères, 100 yens. Ah là là, 100 yens la cuillère. Ça, c'est oufissime. Non, mais c'est. Ah là là, vous avez même l'aluminium, quoi. Les sacs. C'est un truc de fou quoi. C'est complètement dingue. Oh pour le riz. Hop. Pour le riz. Alors là, on arrive dans un petit rayon que j'aime bien. Il y a plein de trousses. Là, c'est les masques quand vous êtes malade. Mais il y a énormément de trousses.
Et il y en a des franchement, voilà, 100 yens. Je vais en prendre. Bon, je me suis un petit peu attardée dans les rayons des trousses. Mais c'est super bonne qualité. Parce qu'il y a des trousses que j'avais achetées moi il y a 3 ans et je les ai toujours. Elles n'ont absolument pas bougé d'un poil, quoi. Donc pour vous dire, je vais prendre ça pour Alex. Il va être content. Lui qui aime bien écrire. Allez, ben là c'est papeterie, voilà. Papeterie. Là c'est rayon salle de bain. Il y a plein de choses. Ciseaux. Rayon cuisine. Non, c'est salle de bain. Là, vous avez les petites serviettes. Je vais regarder s'il y en a des sympas. Celle-ci. Oh, elle est toute petite, celle-ci. C'est les petites serviettes, c'est trop mignon. Là, on arrive à tout ce qui est salle de bain, enfin entretien de la maison. Vous avez même des cravates, enfin des ceintures, pardon. Donc voilà. Et ça, c'est vachement bien en fait. C'est pour pas perdre vos chaussettes ou pour le soutif quand vous lavez en machine à laver. Voilà, petit vlog terminé dans le 100 yen shop. J'ai un petit panier qui est bien rempli. Je vous ferai bien sûr une vidéo à part pour vous montrer tout ça. Salut.